si que baptême dans lui-même son condition sine qua non pour capable sauver, et puis c'est-à-dire que son étape obligatoirement faut passer. Pourtant nous t'approuvé à la croix tu gain des brigands gain youn qui t'a pral sauver instantanément, t'a pral sauver. C'est-à-dire que est-ce que Jésus-Christ lui-même selon exposé à m'a suivre là toujours, nous vient sentir que li limité par rapport à ça le café parce que faut ta joindre des il laisser passer dans mes papa. Il n'est pas égal à papa. So, je sens que son travail il fait et avec qui capacité il fait, parce que je sens que c'est l'on exposé à l'on limite. Je sens à la dernière minute que yon moun jouen et comme si sauvé totalement selon déclaration moun nan te fait sous la croix. Est-ce que Jésus-Christ là lui-même côté le jeune pouvoir ça pour te faire ça, ou du moins est-ce que ça te guettant et son bail qui était préparé pour faire. Je comprends que tout ce que là, vous voulez dire pour montrer que le brigand n'a pas de baptisé. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, je voulais faire un étalage en baptême qui est important, et tandis que il y a des gens qui ont une situation qui n'a pas même une chance pour te faire le même temps des paroles là pour te connaître de baptiser et le sauver. Ok. Est-ce que au cas de mon preuve que c'est ça pas de temps de parole là et puis il va te baptiser? Et bon non pas capable parce que il a pas fait tout détail et tout qu'on ait un débat il a pas décortiqué honnête. OK, mon bal bon détail. Bal bon détail, bien écouter ça me bal dire pour estimer c'est ça pas de baptiser. Il y a un pasteur qui dit moi, il a arrêté monsieur. Il a jugé. Il a condamné et il a cloué sur la croix, ça veut dire il va te baptiser. Peut-être tout ça, son pas et le pas de compte de mon Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de faire même bagarre là pour Jésus? Il a arrêté Jésus. Il a jugé, il a condamné, il a battu, il a cloué sur la croix. Est-ce que Jésus était coupable? Bon. Là, il faut que nous ayons un même doute là. On dit qu'il est possible que nous ayons pas fait rien. Après, le pire, nous avons un verset dans la Bible pour nous montrer ça, oui? Même après, aller là. Peut-être si mon petit temps m'a donné, je me fais parler là. On a regardé, monsieur. Pour si monsieur, ça pas attendre la parole. Monsieur, a, sous quoi? Il va mourir. Et mon pays a eu l'habitude de mourir sous quoi déjà? Hein? Comment ça te fait? Là, au clou, on monte sur la croix, ou là, on ne peut jamais sauver. On ne peut jamais tourner la caillou. On va mourir quand même. Même si on fait 4 jours sous quoi pour mourir, ou là pour mourir. Ça que fait que tu viens casser les genoux brigands avec les genoux Jésus pour que tu descendes sous quoi, c'est parce que demain c'était sabbat. Tu ne voulais pas mourir demain parce que tu veux descendre sous quoi pour descendre sous quoi, pas parce que sous quoi tu as pas aidé, c'est pour être capable, si tu as l'autre monde pour être pour avoir une place pour mettre. Parce que les gens qui te connaissent mourir sous quoi, te connaissent pourri sous tête maintenant. M'a suivi? Ils ne connaissent pas les gens. Ils ne connaissent pas les gens. C'est ça que fait, ils te les place à Golgotha. Quand ça mot Golgotha avait dit, place zo tête. Ou t'as privé sous tête maintenant, t'as pris zo jambes, zo pieds. Zo tête, tout pile zo yote là sous quoi? Bah, monsieur, ça compte ça? Hein? Il connaît, depuis qu'il monte sous la croix, il ne peut jamais descendre, pas grand monde qui prend la caille. Tout le temps, il n'a pas mouru sous quoi, soldat ou abveil. Plus ça, c'est de mourir. Là, il mourut, il monte, il coupe le code, il te marie là, il a la tête, chien mangé. Femme, ça connaît, c'est même bagaille là qui a privé Jésus tout. À tout l'autre monsieur qui était à gauche là.
il prend la parole pour parler à moun qui était à gauche là. Il dit, ou pas de crainte pour bon Dieu même. Ah ah. Lui-même était de crainte pour bon Dieu. Autant de salles d'après ça, il dit, nous-mêmes, quand on a subi là, nous méritons, même si ça n'a pas fait rien que mal. Côté le compte Jésus. Pour lui dire, monsieur n'a pas fait rien que mal. Et parce qu'il est content d'elle. Il était qu'on suive lui. Il était qu'on la vie Jésus. Il dit, monsieur n'a pas fait rien que mal. Nous même ça n'a pas souffert là, nous qu'à souffrir. Même si ça n'a pas fait rien que mal. L'homme fin rabouré, monsieur a bien rabouré. Et puis là, il parle à Jésus. Il dit, maître, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Même maître Kosea. Songez-moi l'on vini dans le règne. Nom ça connaît que Jésus a mouru, même Javel. Mais Jésus avait pas même bagaille. Il connaît que Jésus a enterré. Il déjà connaît. Parce que Jésus était qu'on parlait de ça. Il connaît Jésus a ressuscité. Il connaît Jésus a monté dans le ciel. Et il connaît Jésus a retourné pour établir le royaume dans sur la terre. Et Jésus a une capacité pour ressusciter lui-même. Monsieur ça, sous le venu, mettez la carou, mettez pas ces protestants dehors. Oui, c'est ça, oui. Chassez pas ces protestants, mettez la carou. Parce que, ils ont un paquet de connaissances. Ils connaissent Jésus pour aller mourir. Lui-même l'a mouru tout. Ils connaissent le capable, même enterré même. Parce que, pas qu'on lui a enterré mon Dieu. Même connaît. Quel que soit côté lié à Jésus, il a ressuscité. Il connaît Jésus, il a enterré lui-même. Il connaît Jésus, a monté dans le ciel. Il connaît la vie dans le règne. Et puis Jésus a autorité pour ressusciter. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Un petit phrase, ça seulement, où est tout ça? Et Jésus répondit. Jésus n'a pas répondu parce que monsieur a son profane, parce qu'il était bien parlé, mais parce que monsieur a son disciple de Jésus. Oui. Pour un homme qui compte toute bagaille, ça, ça veut dire chaque jour il était derrière Jésus. Oui. Là, Jésus a parlé de la mort, il était là. Oui. Là, Jésus a parlé du royaume de Dieu à venir sur la terre, il était là. Oui. Là, Jésus a parlé de résurrection, il était là. Oui. Et il te comprend toute bagaille. Oui. Il te même comprend une série de bagailles, puis bien par ses disciples. Oui. Monsieur ça, son homme spécial. Ouais. Alors, monsieur ça, pas de baptiser. Connaissance. Bon, tu quoi, tout quoi ça, non, Jésus va baptiser. Bon, on nous dit que monsieur a, quelqu'un doit croire dans Jésus, mais il n'est pas encore baptisé. C'est parce que nous croyons que l'homme finit de baptiser, il n'est pas qu'à voir là. C'est quatre pasteurs qui baptisaient, qui pasteurs et qui voient là. Je ne veux pas dire, c'est parce que monsieur a été cru à la croix. Parce que s'il était baptisé, il va t'en voir là. Qui bon? C'est quatre pasteurs qui voient là. Puis le pasteur a baptisé mon et puis le voilà. Oui. Mais c'est ça, pas ton vol, est vrai. Bon, je vous dis, tu vas ça pour me douler. Un jour, maman, Jacques, avec Jean, une coup de Jésus. On m'a dit, Jésus, ouais, mais demande mon bail là, oui. Jésus dit, qui ça parle, non? Il dit, ouais, deux petits points, ça, Jacques et Jean, nous t'a rené, l'on a envoyé au moment, vous mettez une à gauche, vous mettez l'autre là à droite. Jésus dit, ah, madame, on va pas ça, on va demander. Quand ça fait Jésus dit ça, bon Dieu, pas compter 1, 10, 22, 24. C'est 1, 2, 3, 4. On n'y est pas privé avant l'autre. Non. Jésus n'a place pour le gain. On m'en a gauche, on m'en a droite. Il faut qu'on arrive dans le royaume. Jusqu'où il y a un royaume, il faut là. Et dans le royaume, il n'y a pas de gain à gauche, pas de gain à droite. Il dit, madame, ça va demander, on ne va pas qu'on s'allie, non? On m'a dit, mettre un petit tour à gauche, un petit à droite. Jésus dit, ouais.
place ça ou apprendre pas comme ça oui non c'est seul monde que bon Dieu baille à capole ou même c'est ça c'est bon Dieu qui te mette le bon doigt de Jésus. C'était un serviteur de Dieu. Moi-même, je crois que c'est ça. Je ne sais pas pour me dire baptême encore. C'est pas seulement baptisé, il était baptisé, ton prophète. Oui. Il t'entendait de parler de Jésus. Oui. Il était contre Jésus. Oui. Il connaissait ça qui passe avec Jésus oui. dans la suite des temps. Oui. Alors, si on dit, mais pas de baptisé, dis-moi, les hommes baptisés, ça qui passe. Je prends l'autre question si bien. Mon dernière question. Oui. Mon frère là, mon frère derrière. Ok. On salue Pasteur. Que c'est un privilège pour moi. Nous sommes troisième jour parce que nous avons soif. Tu tendel. On voit de ces online sur Internet, nous toujours tendel. L'aime de recevoir invitation, on dit que je fais tout le monde possible pour me là pendant mm-hmm. 3 jours. Merci. Bon, juste, quand vous connaissez que la doctrine de la justification fait nous connaître que depuis nous croyons que Jésus, c'est petit bon Dieu, il est venu mourir pour nous. Pour te retirer nous dans le péché, pour te acheter péché nous. Mais juste au moment que vous croyez dans Jean de Bagasayo, le même côté que bon Dieu justifie péché nous. Bon Dieu justifie péché nous, et depuis péché nous justifie, logiquement nous venons petit bon Dieu. Est-ce que nous besoin le baptême? Pour nous marcher, nous venons un petit bon Dieu. Est-ce que après nous venons un petit bon Dieu là, nous avons besoin de baptême pour nous marcher dans la sanctification? Je vais vous saisir la question. Je comprends une question là, très bien. Ok. Vous avez qu'à poser n'importe quel autre gens. La Bible a dit, dans la parole de justification, je vais reprendre ce texte, ça dit, nous sommes justifiés. Par la foi en Jésus-Christ. Ça m'a justifié, avait dit. Bon Dieu, rends-nous juste. Mais comment le rends-nous juste là? Par la foi que nous gagnons dans Jésus. Comment pour nous faire la foi dans Jésus? Faut parler nous de Jésus. C'est pas ça? Là, vous parlez de Jésus, nous gagnons la foi, nous acceptons, nous d'accord que Jésus, c'est petit, bon Dieu, il vient mourir pour nous. Il y a un paquet haïtiens qui dit qu'ils connaissent Jésus, mais ils ne connaissent rien de Jésus. C'est dommage. Si nous justifions par le moyen de la foi, ou bien qu'on texte dit nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Côté pour nous la foi. Eh bien, dans quoi en cela, non? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour nous entendre des paroles là, il faut nous chiter pour nous enseigner. Bon, qui est la parole là pour entrer dans nous? Et là, nous venons disciples. Là, nous venons disciples. Parole là, la Bible a dit clairement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir la parole de Dieu. Ça veut dire, vous mettez à l'église pendant 20 ans. Tout le temps, pour qu'on baptise ou pas, je ne comprends rien qui a passé dans le bon Dieu. Ou pas qu'à ouais, royaume bon Dieu. C'est ça que fait, en pile monde dans protestant, pas ouais, royaume bon Dieu, il y a le ciel là. Parce qu'il est mal baptisé. Hein? Baptême n'est pas bon. Dès que baptême n'est pas bon, pas ouais, rien. Si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu.
pour nous voir le royaume là, c'est une lumière pour faire dans l'esprit nous. Yes. Et ça pourquoi ça, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous venons pour qu'on baptise du Saint-Esprit, mais il faut nous recevoir le Saint-Esprit. Et ça, Jésus dit. Maintenant, la Bible a dit, nous sommes justifiés par la foi. Et ça, c'est ce que ça dit. Par la foi, ça. Il faut dire la foi. Quand on a besoin de la foi, ben, la parole. Pour nous entendre la parole, il faut aller chita pour nous écouter. Pour aller chita pour nous écouter, il faut nous disciples. Là, nous disciples, il faut nous baptiser. Les Philippe pour le baptiser Enik Éthiopien. Bon Dieu, prendre maintenant sur la route là pour le baptiser Enik là. Il campait sur la route là et puis il voit Enik là qui a passé dans Charlie et puis qui a pris le prophète Esaïe. Il a été mis au nom des malfaiteurs, etc. Et puis il parle à Enik là. Il dit ça, comment tu vas appeler là? Enik là dit, comment voulez-vous me comprendre? C'est un bagon monde pour expliquer. Et puis il dit, Philippe, viens leur comprendre, montez, mais n'expliquez. Ils font belle route, Philippe explique qu'il s'agit de Jésus, comment Jésus est venu, il est mort, il tourne dans le ciel, et au monde qui croit en Jésus, c'est pour baptiser dans l'eau. Ils continuent à faire autre là. C'est Enik là qui vont côté, qui a traversé son dos, dit, ah, pas de l'eau. Ça qui empêche de me baptiser. Qui sort quand Philippe répond? Ou quoi dans le cœur, Jésus c'est petit bon Dieu, ou qu'à baptiser. Oui. C'est quoi, pourquoi pour baptiser? Oui. Oui. Tout le monde qui était baptisé, c'est parce qu'il était quoi. Au point que la Bible dit, celui qui ne croit pas est condamné. Oui. Bon pasteur qui dit ou pas, ouais, il dit celui qui ne croit pas est condamné, il a besoin de baptiser. Mais celui qui ne croit pas ne sera pas baptisé. La Bible a dit que celui qui croira sera baptisé. Dès que les gens te croient, et ni que tu es en nuit, et pas un éclat, joli, tu prends Paul avec Silas mené la Kaili, dans la nuit là. Il avait mal dans yo, et il te croit. Parce que Paul dit quoi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça le fait. Il croit. Dans la même nuit là, ça passe. Pas de jambes bon côté dans la Bible, il te voyé au monde à l'automne 5 semaines, en mois, 6 mois avant le baptiser. C'est le même côté le couère, le baptiser. Parce que le baptême, c'est un bagage qui est important. Son condition sine qua non pour le salut. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Grand pile de monde qui a cherché la petite bête pour montrer que le baptême n'est pas important. Son monde voulait d'accord, frère. Et pas moi qui ai la vie éternelle là. Là, on va arriver, ouais. C'est pas ça? Parce que si vous n'avez pas de baptême, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez expliqué au royaume depuis matin, j'ai ça, c'est vrai. Vous n'avez pas comprendre rien. Jésus dit pour là déjà. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir. Faut naître de nouveau. Faut naître dans de l'eau. Et laisse avoir commencé, ouais. Et c'est laisse à qu'à entrer. Alors, vous pensez, Jésus dit, monsieur, ya, tu seras avec moi dans le paradis sans qu'il ne soit baptisé? Et puis, on l'autre bagaille, il dit, Jésus te dit, nègre, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Jésus pas qu'à dire, monsieur, on ne va pas venir aujourd'hui dans le paradis. Non. Jésus pas qu'à prendre dans le paradis, je ça. Jésus dit, m'a dit ça depuis aujourd'hui. Ça veut dire, son jour depuis aujourd'hui. Tu seras avec moi. Si c'était le même jour, si tu as pris le paradis, il va avoir besoin de dire, tu seras. Hein? Pour que ça fasse là-là. Je te le dis aujourd'hui, tu viens avec moi dans le paradis. Jésus n'a pas pris le paradis. N'est-ce pas pas d'apprendre dans le paradis? Non seulement Jésus passait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre avant le lever, l'elfine levé le passé 40 jours avant de monter dans le ciel. Et même là, dans le ciel par le paradis. 10 jours dit à Jésus, pourquoi dans le paradis? Non? Alors, ouais, et ouais. Mes amis,
Si vous avez fait un vieux baptême qui n'est pas bon, baptisé, attendez. Ouais. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, cherchez un pasteur ordonné pour baptiser, attendez. Ouais. T'as coup, Jean Mounio, qu'on dit, d'ailleurs, pas quitter le choix là-dedans, c'est dans la tête.